Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo d'information, je vais vous présenter les nouvelles coques de PlayStation 5 directement créées par Sony, donc par PlayStation 5. Donc il faut savoir que c'est exclusive pour le moment jusqu'au 18 février, c'est exclusivement disponible sur le site officiel de Sony, donc de PlayStation.com. Donc là, regardez, je vous partagerai bien entendu le site officiel en description ou en commentaire épinglé pour ceux qui veulent se le procurer. Bien entendu, il vous faudra être connecté sur votre compte. Donc connectez-vous pour pouvoir acheter les coques parce qu'il faudra vous connecter. Sinon, vous ne pourrez pas les acheter. Alors, couvercle pour PlayStation 5. Explorer les possibilités du gaming avec de nouveaux couvercles pour votre PlayStation 5. Donc pour l'instant, il présente 5 coloris, mais il n'y a que 2 coloris. Il y a le coloris rouge, qui ressemble pas vraiment en rouge, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et il y a le coloris noir. Moi, le noir m'intéresse fortement. Alors, c'est créé par PlayStation. Voilà, c'est conçu et créé par Sony, donc c'est parfait. Là, ici, vous descendez, vous allez pouvoir choisir votre couleur. Donc là, il y a Midnight Black ou alors Cosmic Red. Donc les deux couleurs qui sont disponibles de toute façon avec les manettes. Et là prochainement, il y aura la couleur bleue. Donc là disponible prochainement, enfin bientôt disponible. La couleur purple et la couleur rose qui seront disponibles plus tard. Donc moi, imaginons que je veux l'acheter. En fait, je vais vous expliquer que moi je peux pas l'acheter parce qu'en fait, les coques ne sont disponibles que pour les Français pour le moment. Après, peut-être pour d'autres pays, peut-être la Suisse, ça fonctionne, le Québec, d'autres pays, ça fonctionne, peut-être l'Allemagne et tout ça. Mais en tous les cas, mon pays n'est pas éligible parce qu'en fait, il n'est pas encore disponible dans mon pays. Ils ne font pas la livraison en Belgique, donc je suis un peu dégoûté. Je voulais me les procurer. Elles ne coûtent pas si cher que ça. Je voulais me les procurer et je suis un peu dégoûté. Donc ici, vous avez un mode d'emploi, donc plus d'infos pour changer vos coques si jamais vous avez de la difficulté. Moi, dès que je peux me les procurer, bien entendu, je vous ferai un tuto pour vous expliquer comment le monter. Bon, c'est pas très compliqué, mais de toute façon, je vous présenterai aussi la vidéo dans le sens où je me serai procuré les coques pour vous présenter un peu le produit. Donc là, pour l'instant, je peux pas le faire parce que je peux pas les commander. Mais bon, il faut savoir que c'est seulement disponible sur le PlayStation.com à partir d'aujourd'hui, donc le 21 janvier jusqu'au 18 février, comme je vous l'ai déjà dit. Mais apparemment, à partir du 18 février, on aura des coques disponibles dans les magasins. Donc vous pouvez soit acheter directement ici en exclusivité ou soit vous attendez qu'elles sortent au magasin le 18 février. Alors là, très important, si vous voulez la coque noire, il faudra bien entendu choisir la bonne version de votre PlayStation. Parce qu'il y a la version avec CD et la version numérique. Donc si vous avez une console PS5 avec lecteur CD, vous choisissez console PS5. Si vous avez, comme moi, une console numérique, ben vous choisissez l'édition numérique PS5. Donc il faut savoir que le prix ne change pas, c'est les deux mêmes prix. Que ce soit numérique ou avec CD, vous payerez tous les deux 55 €. Donc je vais quand même vérifier pour vous montrer. Hop. Donc là, voilà, c'est bien ce que je disais. Donc c'est bien 55 €. Donc ensuite, vous choisissez votre couleur. Voilà, rouge ou black. Ouais, red ou black. Voilà, vous choisissez votre couleur. Ensuite, vous ajoutez au panier. Donc là, bien entendu, j'en ai déjà ajouté. Alors, ce qu'il faut savoir avec ce site internet de PlayStation, c'est une petite information supplémentaire pas trop nécessaire, mais que j'ai envie de vous le dire, donc je vais vous le dire. En fait, PlayStation 5, il a remarqué que les gens achetaient beaucoup de PlayStation 5, enfin, Sony hein, a remarqué que les gens achetaient beaucoup de PlayStation 5 pour les revendre à un plus gros prix. Donc, ce que Sony a fait maintenant, c'est que à partir de tous les cas pour la PlayStation 6, etc., etc., le site
vendra la console directement et peut-être la PlayStation 5 sera disponible. J'ai entendu dire qu'elle devait être disponible, c'est possible qu'elle a déjà été disponible et que là, j'ai été voir, il y avait des ruptures de stock, c'était épuisé. Mais en tous les cas, il faut savoir que maintenant, la PlayStation, le site officiel, vendait la possibilité, ou vendra peut-être, des PlayStation 5 sur leur compte. Et en fait, les personnes ne pourront pas acheter plusieurs PlayStation 5 parce qu'en fait, vous ne pourrez acheter qu'un seul exemplaire par compte PlayStation. Et apparemment, vous ne pourrez pas créer un nouveau compte parce qu'il faudra avoir une ancienne activité. Il faudra avoir une activité assez ancienne pour pouvoir acheter une PlayStation. Il faudra une bonne activité pour pouvoir acheter une PlayStation. Donc, vous ne pourrez pas créer plusieurs comptes PlayStation et acheter plusieurs PlayStation. Donc voilà, c'est un peu pour contrer un peu les gens qui achètent excessivement blindé de PlayStation 5 pour les revendre à gros prix. Donc voilà, qui se font un business là-dessus. Donc pour empêcher ça, PlayStation va mettre ça en place. Alors là, c'est pour ça que quand j'ajoute au menu, ils me disent que la quantité maximum de cet article a déjà été ajoutée à votre panier. Parce qu'en fait, une seule personne, peut-être vous pouvez acheter les deux coloris. Voilà, vous pouvez acheter les deux coloris, mais vous pouvez acheter qu'un seul exemplaire. Qu'une seule quantité par coloris. Vous pouvez pas en acheter deux et c'est plutôt pas mal. Donc là, bien entendu, vous choisissez votre façade. Ensuite, il faudra confirmer le paiement. Donc, il faudra mettre un mode de paiement. Pour l'instant, je n'ai vu qu'il n'y avait que des cartes de crédit, enfin des cartes de banque. Regardez, hop. Ajouter un autre moyen de paiement. Voilà, une carte bancaire. Je pense qu'il vous faut absolument une carte de crédit pour le faire. Alors ensuite, vous mettez votre adresse de livraison. Et là, si vous êtes client du PlayStation Plus, si votre compte a le PlayStation Plus, c'est gratuit livraison standard. Donc en 5 jours, vous allez recevoir vos coques gratuitement si vous avez le PlayStation Plus ou sinon il faudra payer 4€ pour la livraison standard si vous n'êtes pas PlayStation Plus. Et la livraison express coûte 6€. Date butoir, c'est quoi ça? Ouais, 6€. Donc voilà. Et bien entendu, il faudra accepter les conditions et commander et payer. Alors j'avais essayé un code SM, mais il n'y a pas de code. Je n'ai pas de code de réduction pour vous. Désolé, mais voilà, peut-être que vous en avez un. Si vous en avez un, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et pour les autres personnes de la communauté. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace. Y'all make bruh.